Bonjour à tous, on est ici au musée de la vie bourguignonne où l'on évoque la vie autrefois au 19e et début 20e siècle en Bourgogne et je vais vous parler aujourd'hui des veillées d'autrefois. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, les gens vivaient majoritairement à la campagne et vivaient au rythme des saisons. Et les veillées d'autrefois se passaient en automne et en hiver, généralement entre la Toussaint et le début du printemps. Et c'était l'occasion de se réunir tous ensemble avec la famille, les amis, les voisins pour faire des travaux domestiques, discuter, échanger, mais aussi faire des économies, puisque c'était l'occasion aussi de participer tous ensemble, d'apporter du bois de chauffage, mais aussi des chandelles. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « faire des économies de bout de chandelle ». Milieu 19e, fin 19e, c'est dans la pièce principale de la maison que tout le monde se réunit. Donc la cuisine, dont vous avez une reconstitution juste ici. Et on se rend assez vite compte que l'élément central de la cuisine, c'est la cheminée, puisque tous les meubles autour s'organisent autour de cette cheminée. Et ces trois fonctions principales sont de se chauffer, cuisiner, et de s'éclairer. Et s'éclairer, c'est très important, surtout à l'époque où l'électricité n'existait pas, puisqu'on va effectuer un certain nombre de travaux. Donc plus on va s'approcher de la cheminée, mieux on va voir, et plus on va s'en éloigner, plus on va être dans l'obscurité. Ce qui fait qu'on va devoir utiliser un certain nombre d'éclairages d'appoint, comme par exemple la bougie, ou encore les lampes à huile. On en a quelques exemples, comme par exemple le creusio, qui est une lampe à huile qui va être suspendue. Et donc ces travaux vont être possibles grâce à cet éclairage. Par exemple, les femmes effectuaient des travaux de couture, de dentelle, de tricot. Les hommes, eux, fabriquaient des paniers, donc ils faisaient de la vannerie. Ils cassaient les noix également pour fabriquer de l'huile ensuite. Ils réparaient aussi et fabriquaient des outils en prévision de travaux futurs. Tous ces travaux-là étaient importants et la lumière le rendait possible. Mais cette lumière va conférer aussi une ambiance un peu particulière à la pièce, un peu mystérieuse, propice vraiment aux contes et aux histoires qui étaient racontées par les anciens qui s'installaient juste ici près de la cheminée pour instruire et partager leurs expériences avec les plus jeunes et la famille. Parfois, c'était même les colporteurs qui passaient de village en village, c'était des marchands ambulants qui racontaient ces histoires en échange du gîte et du couvert. Ils rapportaient par exemple les dernières nouvelles des villages alentours, les villages voisins ou même de la région. Ça permettait de se tenir informé alors que la télévision n'existait pas et le journal télévisé de 20h non plus. Cette société, elle va évoluer, bien sûr. Fin 19e, début 20e siècle, la société change, les modes de vie se transforment, la famille également, puisque les jeunes vont plutôt partir travailler en ville. La famille va être de plus en plus éclatée. On va aussi moins se réunir par nécessité, puisque le coût du chauffage et de l'éclairage va baisser. Donc les traditionnelles veillées, comme on les connaissait, vont disparaître peu à peu. Et finalement, c'est autour de la radio, puis de la télévision, que tout le monde va se réunir les soirs maintenant. Et c'est ainsi que se termine notre visite. J'ai été ravie de partager avec vous l'ambiance de ces veillées d'autrefois. Merci de m'avoir écoutée et n'hésitez pas à revenir au musée de la vie bourguignonne pour découvrir d'autres scènes de la vie d'autrefois.